Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Il tentait d'y aller en force, ça ne passe pas. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Bien, la profondeur. Bien vu, c'est intercepté. Oui, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Bernardo Silva, il perd ses appuis, ballon perdu. Le jeu repart vers la droite. Il reçoit le ballon. Un bon sang. Quelle détente! Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de se battre. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Il allonge le jeu. La longue passe, il peut en profiter. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça sent la... Oui, il peut frapper là! Il a mis son corps en opposition. Quel geste défensif! De la tête! Quelle intervention du gardien! Oh la parade! Il montre qu'il est là, bien présent! Ah oui, superbe! De la tête! Oh, ça méritait un meilleur sort. Moi, je trouve que c'était plutôt pas mal. Je suis sûr que son prochain tir sera cadré. Jesús Molina. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Le petit 1-2. Bien vu, c'est intercepté. Oui, il a bien anticipé. Il tente de se dégager. L'interception, bien joué. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Ça va sur l'aile. Gnabry qui centre. Le coup de tête. Et la barre qui tremble, il s'en sort bien. Le coup de tête. Jesús Molina. 0-0, les deux équipes se neutralisent. Hey. Il avait bien lu cette passe. Sergi Roberto, qui était une nouvelle fois bien monté. Et c'est intercepté. Il est lancé sur l'aile. Ça peut être dangereux. Ah, ça n'ira pas au bout. Ça cherche la profondeur. À quoi, là ? Pour filer droit au but. Gavi. Et maintenant, Sergi Roberto. C'est intercepté, quelle bonne lecture. Oui, il a bien anticipé. Jouons au football. Jesús Molina, en retrait pour repartir proprement. Pao Torres. Carvajal. Pao Torres. Jesús Molina. Gavi. Encore un quart d'heure avant la pause.
C'est joué. La frappe, attention! Oh là 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 là! Yes. Le but superbe du FC Barcelone! Et oui, il n'y a pas que le kick and rush dans la vie. En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts. Gol del Barcelona. Marcó en el minuto 31 el dorsal 7. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. Il cherche la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Bien travaillé dans la surface. Il tire. What? C'est au fond. C'est de quoi ça? Incroyable, magic. Mais... L'égalisation, ça n'aura pas traîné. Ça fait plaisir à voir. Ils auraient pu être abattus par ce but, mais au contraire, ça leur a mis un coup de pied au derrière. C'était une volée extraordinaire d'équilibre. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser, mais il a parfaitement dominé son ballon. Waouh! Wow. Ok, vous voulez jouer à ça, hein? Le jeu reprend sur un score de parité. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Carvajal. Jesús Molina. Nuno Mendes. Bien récupéré sur ce duel. Ça n'a pas pu aller plus loin. Et c'est pas bien fait, ça. Il tente de la jouer dans l'espace. Bon service dans la profondeur. Il What? Tire. Kivan, quelle parade. Il prend sa chance. Une parade magnifique. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Ils sont à fond. Ok. Je vais gagner. Gagner. C'est joué court à deux. Oh, le bon ballon. En et... retrait. Ok. Ça ne donne rien et c'est reparti dans l'autre sens. Ah. Attention, la roue tourne. J'ai la possession. Il est tout seul. Il n'y a pas de contre-attaque. Hein. Oh, il y a danger. Ce sera une touche. Pour moi. Hein. What? C'était quoi ça? L'arbitre va-t-il désigner le petit coupant? Non. Oui, pénalty. Ah. Décision totalement logique. Non. Ici. Ici. Pop. C'est au fond. Ah, à chaque fois c'est la même chose. Ah, putain de merde. Oh, c'était important et il n'a pas tremblé. Beaucoup d'applications. On ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. 2-1, c'est le score à la pause. Les joueurs ont bien mérité d'aller souffler un peu. La première période est donc terminée. Qu'en avez-vous pensé? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Barcelone n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. La bonne passe. Et... Il relance côté droit. Le bon dribble, c'est centré dans l'axe.
Joli geste. Et le tir. Oh, l'intervention de Given. Et le gardien est présent. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. No man on this. La tête. Ça passe à côté d'un rien. Oui, c'était plutôt bien joué. Dommage qu'il n'attrape pas le cadre. Allez, tout le monde en bas. Il avance bien. Sergi Roberto qui est récompensé de son pressing. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Del Piero. Del Piero. Poteau. Oh. Encore. Et oui. Il était attendu. Yes. Cookie. Oh, l'opportuniste. Et quelle efficacité. Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite des airs montés à la défense. Il est parfait. Gol del Barcelona. Marcó en el minuto 56 el dorsal 18. Cookie. Et voilà qu'ils ont de nouveau égalisé. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Le jeu repart vers la droite. C'est bien donné. Ça, c'est une interception parfaite. Niabri. Bonne lecture de la trajectoire. Epa. Et... Non. Et... Et le ballon est sorti, touche. Et pas assez au but. Gavi. Ça veut qu'il allait faire ça. C'était presque au fond. Et bah dis donc, c'était chaud. Cookie. Cookie. Oh, my friends. Epa. Non, ça manque d'application. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Pop. Ça joue long. Oh. J'ai mal calculé. Il passe en retrait au gardien. Le gardien, le gardien. Ruben Peña. Et pas. Ouais, en dommage. Long ballon dans le centre. Hey, yes. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Ah. Coup franc pour le FC Barcelone. Oh, voici Del Piero. Et c'est récupéré facilement. Hey, yes. Yes. Parfaitement. C'est joué dans l'espace. Hey. Give me that. Et il le dépossède du ballon. Give me that. Gavi. À droite. Bonne intervention. Ah. C'était quoi son passe, ça? Quel dommage. Carvaral. Et maintenant Sergi Roberto. Time to cook it. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Ce contre peut très bien aller au bout. Oh shit. Dans la profondeur.
Bernardo Silva. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Paro Torres. Ok. Le ballon circule bien, techniquement, c'est okay. Soyeux. Il avait bien lu cette passe. Oui, très bonne anticipation. Gavi, okay. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Il relance, côté droit. La longue passe. Ah non. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Dommage, c'est intercepté. Le gardien dégage. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Ça peut être extrêmement dangereux. Ça manque un peu de précision. C'est dégagé loin. Arbitre là. Faute. Et ils essaient de repartir de derrière. Et l'arbitre siffle le match. Et au bout du compte, aujourd'hui, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les entraîneurs ont tout essayé, les joueurs tout tenté, mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. Darren, ça fait mal au cœur, mais il est malheureusement l'heure de rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir vécu ce match à nos côtés et à très bientôt. Bonsoir à tous. Merci à vous, mon cher Grégoire. Hoy se nos ha escapado la victoria, pero un empate tampoco está mal. Gracias a todos por venir.